au chapitre 2, à partir du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils leur dirent à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon la pièce neuve, ajoutée, arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ?» Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiathar, à manger des pains consacrés qu'il n'est permis qu'au prêtre de manger, et il en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Pourquoi ne jeûne-t-il pas? C'est le bon jour pour se poser la question. J'espère que quelqu'un a préparé une tarte au quetsch. Quelqu'un a commis ce grand péché? Personne? Ah là là. Si, là, on en a une. Alléluia! Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour du Shabbat? L'Évangile se présente et s'annonce souvent dans une ambiance de cours de récréation. Mais maître, qui est le plus grand? Maître, faut-il croire Pierre ou Paul? Et pourquoi les jeunes et pas nous? Et pourquoi ils ne font pas Shabbat? Mais ce qui est la bonne nouvelle de Jésus aussi, c'est qu'il n'a pas peur de se frotter avec ça. Il sait qu'il vient travailler la pâte humaine, et la pâte humaine, elle est faite de fragilité, d'aller-retour, de régression, de progression, de questionnement parfois enfantin, c'est vrai. Mais Jésus n'a pas peur de s'y frotter. Alors, sur ces deux controverses, sur le jeûne et sur le Shabbat, on trouve à peu près le même schéma deux fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. D'abord, on décrit une action que fait Jésus ou que font ses disciples. Ben, ils ne jeûnent pas, ils ne font pas Shabbat correctement.
Ensuite, on pose la question à Jésus. Et ensuite, Jésus répond. Comment il répond? Soit avec une citation biblique, soit en posant une question. Ça fait partie, vous savez, de l'art rabbinique, de répondre à une question par une question. Et on voit que Jésus n'était pas chrétien, qu'il était bien juif. Et puis, entre ces deux paraboles absolument magnifiques, où Jésus a répondu vraiment point à point, pied à pied, il a répondu à la question quand même, c'est rare, parce que souvent il répond complètement à autre chose. Mais au milieu, justement, il y a cette parabole sur le vin nouveau et sur le tissu neuf. On ne peut pas coudre un tissu neuf sur un vieux tissu, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Et ce qu'on observe, c'est que cette parabole du milieu, elle est en excès, elle est en surplus, elle est en grâce. On pourrait l'enlever et le texte se lit encore mieux. D'ailleurs, c'est beaucoup plus cohérent, en fait, si on enlève cette parabole au milieu. Alors, la question que je vous pose, chaque dimanche, on a une question sur le texte, la question du jour, c'est qu'est-ce que vient faire cette parabole ici? Alors, je vais répondre en deux côtés. D'abord, je vais répondre qu'est-ce qu'elle vient faire pour l'époque du 1er siècle. Et puis, en un deuxième temps, je vais répondre à qu'est-ce qu'elle vient faire pour nous, aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, je crois que lorsque Jésus s'adresse à ces pharisiens, à l'époque qui était la sienne, il vient en fait annoncer le retournement radical que représente l'évangile pour la société de l'époque. Si on veut, la parabole nous dit que la logique du royaume de Dieu que Jésus annonce, c'est pas du tout la même logique que la logique du judaïsme du temple, c'est-à-dire le judaïsme du 1er siècle, qui aujourd'hui n'existe plus. Il y a 1000 judaïsmes très différents, mais là on parle du judaïsme du 1er siècle. Pour ce judaïsme, l'important c'était quoi? C'était la pureté extérieure. C'était ce qui était visible. C'était ce qu'on pouvait reconnaître. Il y avait la circoncision, il y avait les prescriptions alimentaires, il y avait les ablutions rituelles, il y avait les sacrifices au temple. Et donc, aujourd'hui il y a un gros mot pour parler de ça, je vous le dis quand même, c'est joli. Orthopraxie. Le judaïsme de l'époque, c'était une bonne pratique. Ortho, une la bonne et la pratique. Mais la logique du royaume, c'est la logique des béatitudes. C'est une logique qui n'a rien à voir. L'important dans le royaume, ce n'est pas le respect d'une règle qui nous est extérieure. L'important, c'est la disposition de notre cœur. Dans la logique du royaume, Jésus met l'accent sur la vie intérieure. Et pas simplement sur le respect d'une règle formelle. Mais là, on le voit, les pharisiens, ils viennent interroger Jésus sur des règles, sur le respect de règles formelles. Pourquoi ne jeûnent-ils pas? Pourquoi ne font-ils pas Shabbat correctement? Et par cette parabole, Jésus répond: désolé les gars, ma compréhension de la religion n'est pas la vôtre. Pour vous, en particulier pour ces gens-là, la religion, c'est une histoire de privation. Privation par le jeûne, privation d'activité par le Shabbat, privation alimentaire par le jeûne. Mais dans l'esprit du royaume, il n'y a pas de privation. Parce que c'est quoi l'esprit du royaume? C'est quoi la métaphore qui représente le royaume? Je vais vous aider. Où est-ce que Jésus accomplit son premier miracle? À Cana, dans un mariage. L'esprit du royaume, c'est la noce, c'est la teuf. C'est le psaume 150 qui dit « Louez le Seigneur par vos danses ». Et, petite parenthèse, les protestants ont retraduit le psaume 150 « Louez le Seigneur par vos grandes orgues ». Parce que la danse, ce n'était pas correct. Mais le texte hébreu, il nous dit « Louez-le par la danse ». C'est ça, l'esprit du royaume. C'est finalement l'union à Dieu. La rencontre avec le divin, ici et maintenant. Le divin qui n'est plus à distance, qui est dans ton cœur. C'est l'accueil d'un amour inconditionnel et d'une grâce infinie. Et c'est bien de le rappeler. La dernière fois, j'ai mangé avec mon épouse au café l'Évêché, vous savez, à côté de la cathédrale. Puis je sors me dégourdir un peu les jambes, tout de suite je papote avec des gens. Et tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis pasteur, etc. Diacre. Et puis,
Elle me dit, ouais, mais moi, Dieu, il m'énerve parce que c'est que des privations, c'est que des règles, c'est que... Il dit, mais alors, le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui libère. C'est pas un Dieu qui vient nous priver. Hein. Au contraire, c'est un esprit de noce. Alors, dans l'esprit du royaume, le Shabbat n'est plus une privation, c'est un cadeau. Le cadeau d'un repos bien mérité. Le jeûne n'est plus une privation, c'est une façon d'être en communion, en union avec Dieu. Alléluia! Amen. Amen. Comme je disais, cette parabole, elle vient aussi, à mon avis, nous interroger, nous, aujourd'hui. Je crois qu'elle nous est précisément destinée et que si les évangélistes l'ont mise là, en rapportant les propos de Jésus, c'est qu'ils pensaient déjà à nous, à la paroisse de Bellevaux-Saint-Luc en particulier. Parce que oui, tout se passe comme si notre propre vie, c'était la pièce de tissu ancienne, bien sûr. Et l'évangile, c'est la pièce de tissu neuve. Et il faut bien admettre, moi le premier, hein, que parfois on a envie de coudre la pièce de tissu neuf et l'évangile sur notre propre vie, sur notre vieux tissu. Alors qu'au contraire, Jésus nous invite à renouveler intégralement le tissu de notre vie. Mais c'est là que tout devient difficile. Car dans bien des endroits de mon être, je ne suis pas trop chaud pour le renouvellement. J'ai envie de garder mes vieux tissus, et en particulier mes vieilles pantoufles. Vous savez, les vieilles pantoufles, elles sont d'autant plus confortables, parce qu'elles ont pris la forme du pied. Hein? On n'est jamais mieux que dans des vieilles pantoufles. Puis si on doit s'en séparer, quelque chose de sentimental, elles ont fait 4 déménagements, feront-elles le 5e? Alors oui, c'est difficile pour nous de quitter nos vieux vêtements, et il faut entendre, métaphoriquement, c'est difficile pour nous de quitter nos vieilles habitudes. Et pourtant, Jésus nous invite, comme je le dis souvent, Jésus nous invite à un dépouillement. Mais un dépouillement en profondeur, hein, pas simplement formel. Hein. Pourquoi? Pour être dans la noce, pour boire ce vin nouveau. Alors, on va mettre en pratique ce texte au long de ce culte. D'abord, pendant la Sainte Cène, on boira le vin nouveau du royaume éternel et on pensera bien à ce que ça veut dire, boire le vin du royaume éternel. Ça veut dire se transformer en profondeur. Mais dès à présent, on va prendre un petit moment de silence, à nouveau, pour méditer sur ce qui résiste en nous à l'accueil de l'Évangile. Où sont mes vieilles pantoufles que je veux garder? Alors bien sûr, vous êtes invités à continuer cette réflexion au moins une minute par jour toute cette semaine, mais peut-être aussi toute votre vie. Mais dès à présent, si vous en avez le cœur, je vous invite à dire avec moi cette prière. Vous répéterez. Seigneur, je te confie mon vieux tissu. Seigneur, je te confie mon vieux tissu. Seigneur, je te confie ma vieille outre. Seigneur, je te confie ma vieille outre. Car je veux boire le vin nouveau de ton évangile. Car je veux boire le vin nouveau. Car je veux revêtir les habits de ton royaume. Car je veux revêtir les habits de ton royaume. Aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles.